Et bonjour, c'est Patrick Fiori dans Basique The Concert. On s'était promis tous les infinis. Ah ouais. Un nouveau départ. Mais c'est immense, hein. Amour et amis, de loin et d'ici. Rendez-vous ce soir. Après le silence. C'est beau. Après les distances. Waouh. Je peux l'emmener en tournée avec moi? Mais qu'il y a? Mais pas tout. Oh, ça va nuit. Ça va, Karim? On se love, love, love. Comme la première du premier fois. C'est un concept vraiment particulier parce que c'est la première fois pour moi dans ma vie de travailler dans ces conditions-là. Déjà, autant de matos, tout ça, parce que c'est un truc de dingue, quoi. C'est un barnum incroyable. Je vais me sentir sur scène. Voilà, je vais me sentir dans mon élément principal, celui qui me berce depuis toujours, faire un concert, quoi. Je vais imaginer ce moment-là vraiment comme si j'avais la chance là qu'une salle soit ouverte. Clac. Que tu reviennes. Et puis les gens sont là, et puis on fait de la musique, voilà, on se donne un moment de plaisir et de partage. Avec un répertoire un peu particulier, un petit peu articulé aussi pour les gens, pour qu'ils essaient de retrouver, en tout cas, que ce soit assez représentatif des tournées que j'ai pu donner, donc des chansons assez clés, comme un parfum, voilà, c'est quelque chose qui nous accompagne, la musique ça nous accompagne. Alors ben, j'ai envie, encore aujourd'hui, de garder ce lien avec les gens et de les accompagner. Physiquement sur scène, je suis plutôt un garçon qui bouge beaucoup. Évidemment, dans les morceaux qui pulsent un peu, quoi. Je me régale en fait. Je pense que les gens le ressentent. Je ne sais plus combien de concerts j'ai donné à ce jour, à cette heure, mais beaucoup. Et à chaque fois, c'est comme la première fois, quoi. Chaque fois que je monte sur scène, ça me met toujours cette boule au ventre et ce plaisir immense de me présenter devant les gens. En fait, ce plaisir immense d'avoir encore des rendez-vous. J'avais tellement envie de chanter, d'essayer d'imaginer les gens devant moi. C'est pour leur dire aussi que les artistes sont là, quoi. Finalement, tu t'en vas à 15 ou à 30 ans. C'est comme ça, tu crois partir devant. Mais là, dans tes valises, ils sont avec toi. À chaque tournant, tu verras pour un oui, pour un non. Tu rappelleras au moindre tourment. On l'a tous tiré au hasard, le jeu du départ. Et peu importe où tu iras. Les sœurs et les frères, le chat, le boxeur, papy et grand-mère, tous nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant. Une guerre, un volcan, l'amour est si puissant. Y'a plus que le sang, c'est ce qu'on choisit qui nous tienne en vie. Et si parfois tu perds le nord, si ce soir tu n'as pas de frère ni de porc, ou bien si tu as froid. Est-ce que tu es d'accord pour venir avec moi? T'es d'accord toi, Patou? On a tous besoin de savoir que l'on est chez soi quelque part. Ok les garçons. Dans la famille, il y a la mère et le père, ou deux pères, ou deux mères, ou 36 belles-mères, toutes les sœurs et les frères, un cousin boxeur.
nos êtres chers. Dans la famille, il y a toujours un absent, un secret, un amant, une guerre à volcan. L'amour est si puissant, bien plus que le sang. C'est ce qu'on choisit qui nous tient en vie. Dans ma famille, il y a une terre et la mer, une table et des verres, des amis, des repères, des chansons, des galères. Mais viens là qu'on te sert dans nos bras ouverts. Dans la famille, il y a toujours un moment, un départ, un enfant, ou c'est Dieu qui descend. L'amour est si puissant, et plus que le temps, c'est ce qu'on choisit qui nous tient en vie. Ça va la famille? Dans la famille, il y a toi et moi. Tu seras chez toi. Mais dites-moi, vous trouvez pas qu'on a un air de famille, non? C'est un peu la pagaille, mais c'est pas grave. Et moi ici, vous sur votre canapé, finalement, c'est un peu pareil. Hein, on a un air de famille. Le plus dur pour un chanteur, c'est quand on pose des questions. Comme il faut plusieurs cerveaux pour faire un chanteur, en fait. Alors là, que... Pour l'instant, j'ai que le mien. Hein, faut que je chante en même temps. Ah, ok, toutes les réponses en chantant. Je sais pas si les gens vont pas s'ennuyer à ce moment-là, non? Alors, Florent n'est pas là. Hein, il est en Patagonie, j'ai lu au téléphone. Ça fait loin pour venir sur Basic. Il m'a dit je suis dans ma pampa là-bas. Alors, du coup, je me suis dit tiens, on va se servir du clip qu'on a fait pour l'imaginer sur scène. Parce que moi, j'adore le voir, j'adore sa présence. C'est un super mec. Et puis, il ne le sait pas, mais je suis très admiratif de ce mec. Vocalement, c'est monstrueux. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il chantait aussi bien que ce qu'il était adorable. Quoi. C'est voilà. Faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu, j'y vais. Comme un tout premier regard, le début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Toute sa vie tient dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, oh, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est là, moi qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les
chacun de nos pas. Ce duo JV s'est fait de manière assez particulière. J'ai couru derrière, derrière Florent pendant 10 ans. J'avais pas la chanson, j'avais pas le truc qui allait le séduire. Et puis à un moment, pendant le confinement, le premier confinement, je lui ai passé un coup de fil et j'ai dit « Florent, je pense que j'ai un truc ». Il me dit ben, « Écoute, envoie et puis je prends 2-3 jours pour te répondre. » Normal. Je lui dis « Dis-moi oui, dis-moi merde, mais dis-moi quelque chose. » Il m'a rappelé 3 minutes après, il me fait « J'y vais ». Je vais la chanter avec toi, celle-là. Si demain, il me demande d'y aller, j'y retourne même sans problème. Ouais. On s'était promis tous les infinis, un nouveau départ. Amour et amis, de loin et d'ici, rendez-vous ce soir. Après le silence, après les distances, donnons-nous du sens. S'il reste une chance de s'aimer encore, on se love, 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 comme la première des premières fois. On se love, lève-toi et tombe dans mes bras. Tes bras, mes bras autour de nos corps. Mon cœur qui se donne, tes mains, mes mains, on sera plus fort. Love, love, on se love. Tes bras, mes bras autour de nos corps. Ton cœur, mon cœur qui résonne, tes mains, mes mains, on trouvait de l'or. Love, 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 love. Ce n'est pas si loin, entends-tu le bruit des joies qui reviennent? On écrit demain à l'encre des nuits. Ta vie dans la mienne. On peut croiser nos regards sans détourner les yeux, rien que pour voir, même s'il est trop tard, décider d'y croire. On trouvait de l'or, love, on se love. Tes bras, mes bras autour de nos corps. Ton cœur, mon cœur qui se donne. Tes mains, mes mains, on trouvait de l'or, love, love, on se love. Tes bras, mes bras autour de nos corps. Ton cœur, mon cœur qui résonne. Tes mains, mes mains, on trouvait de l'or, love. Oh là là, là, j'en vois plein, viens, je vais le faire, moi, viens. Mais si, regarde, ben oui, ben regarde. J'en vois deux, là, là, et là, 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 et voilà. C'est pas la lustreuse, ça? Filmez-le, filmez-le, ça. Filmez-le. On nous demande de passer le balai, je sais pas si vous m'avez vu. On m'a dit, Patrick, s'il te plaît, ils font tous pareil, les artistes, alors s'il te plaît, tu... Bon, ben, j'ai...
Voilà. Alors du coup, j'ai sorti mon aspirateur parce que je suis un spécialiste en aspirateur. Je suis un homme d'intérieur. Tu peux aussi repasser les chemises après, si vous voulez. Je suis un grand spécialiste. C'est bon, je t'en prie. J'ai déjà un lien très fort avec le public, mais ça, ils le savent. Et avec Que tu reviennes, c'est une chanson importante parce que ça a été pratiquement la première qui a, je dirais, lancé mes souhaits d'enfant de devenir chanteur et de me présenter devant les gens. Et c'est aussi, surtout, et ça, on le sait beaucoup moins, la première chanson que Calogero a composé pour un autre artiste. C'est-à-dire, celle-là, il n'a pas gardé pour lui. Et je me souviens, j'étais à Montréal, et je reçois un coup de fil, et puis il me dit, voilà, j'ai fait une chanson pour toi. Je dis, waouh, déjà, c'est génial. Et voilà, je reçois la chanson, j'écoute, et je fais, tu me la gardes, celle-là, on n'y touche pas. Donc le texte est de Lionel Florence, et la musique est de Calogero. Que tu reviennes. Bien sûr, elle est incontournable, mais c'est un régal de la chanter à chaque fois. Se lève encore un jour inutile où la vie balaye les rêves alors qu'ils étaient tranquilles. Les bateaux quittent le port, quitte à ne jamais revenir, ou séparent des vents plus forts comme ceux qui t'ont fait partir. Du passé qui s'endort, y'a plus rien à retenir. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être. Que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, des mois peut-être. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimes plus. Encore un soir qui s'achève dans cette chambre immobile. Et pourquoi me lèverais-je? Et pour qui le faudrait-il? C'est du passé qui s'endort. Je n'ai plus que des souvenirs. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Des jours et des semaines, peut-être plus. Autant que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimais plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu. Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Des jours et des semaines, que je m'en souvienne, je crois que tu ne m'aimes plus. Que tu reviennes. Des jours et des semaines, des mois peut-être plus. Je m'en souviens, je crois que tu ne m'aimais.
croire que tu ne m'aimes. Autant que je m'en souvienne, je crois. Je crois que tu ne m'aimes pas. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce bloc de granit qui se dresse vers le ciel. Moi, j'ai rencontré cet endroit magnifique dans une petite chambre où ma mère nous chantait des chansons de son village. Je vais vous chanter une chanson qui s'appelle Corsica, parce qu'après l'avoir imaginée, j'ai eu la chance de la découvrir. Et aujourd'hui, j'ai cette chance d'y vivre.
Ma dernière destination de voyage était en Arménie. Et je suis allé là-bas pour voir la famille, pour voir les amis. Et j'ai rencontré un garçon exceptionnel, un homme déjà avant tout exceptionnel, et un musicien hors pair incroyable. Alors du coup, on a sympathisé. Et puis, gentiment, je lui ai demandé s'il acceptait cette invitation de venir sur Basic faire un petit bout d'une chanson importante avec nous. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente Sévac. Merci à toi. Merci d'être là. Sévac, je l'ai rencontré lors de mon dernier voyage en Arménie. C'était pas simple, c'était pas un moment simple à vivre parce qu'il y avait un conflit. Et j'ai rencontré ce garçon. Déjà, c'est un très, très grand musicien. Alors, on pourrait dire que c'est un violoncelliste mondialement connu, mais ça, c'est pas important. Je savais pas qu'il jouait si bien. Il a commencé à jouer un peu pour moi, pour nous, comme ça. Et puis, je sentais qu'il avait pas le cœur à ça et qu'il faisait ça vraiment pour nous faire plaisir. Alors, j'ai discuté avec lui. Il m'a parlé de ses origines qui sont un peu les mêmes que les miennes, donc de l'Arménie. Et puis, il m'a dit des choses très personnelles. C'est un garçon qui a connu la guerre m'a dit là-bas, mon cœur est vide, quoi. Avec ce que je viens de vivre, je vais arrêter de jouer. Et je pouvais pas entendre ça, quoi. Alors, bien sûr que ce qu'il avait vécu, c'était horrible, mais je pouvais pas entendre ces mots. Alors, grâce à Basic, je lui ai donné ce rendez-vous. Et je lui ai dit, viens jouer avec nous, viens jouer pour toi, pour moi, viens jouer pour les gens. Et donc, il m'a fait la gentillesse. Et il a eu l'élégance de venir jouer sur cette chanson qui s'appelle Dele Yaman, une chanson importante là-bas en Arménie, moins connue en France, mais j'espère qu'après ce passage-là, ben, une fois que vous l'aurez entendu, vous comprendrez qui est Sévac. Et du coup, si je vous raconte cette histoire-là, je pense que vous prêterez encore beaucoup plus attention à ce garçon qui est un musicien incroyable, mais surtout un grand homme. Dilli yaman harev dibav masi seri Dilli yaman garut natsi yesim yeri yaman yaman ya. Dilli yaman harev narev vanat zaven Dilli yaman Ashman yari Yaman Yaman ya Dilli yaman Dilli yaman Yaman,
Yamania. Donner du plaisir aux autres, c'est s'en donner soi-même. C'est ça qui est bon. Dans ce répertoire-là, j'ai choisi d'aller un petit peu parler de mes origines, que ce soit Marseille, que ce soit la Corse, que ce soit l'Arménie. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Vous vous rendez compte, la culture, les possibilités musicales qu'il y a autour de tout ça, pour moi, c'est un jardin, quoi. Il y a qu'à cueillir, quoi. Il y a des répertoires sublimes. J'ai ces origines-là, elles sont là. Il y a deux solutions dans la vie. Ou on peut les refuser et les laisser un petit peu cachées, ou on peut les arroser et faire en sorte qu'elles poussent mieux et qu'elles soient encore plus belles. Donc moi, ça, pour moi, ça, c'est important. Alors j'ai choisi, oui, dans ce répertoire-là, de mettre Corsica, de mettre le Dele Yaman. Et puis voilà, c'est ma vie, moi, ça. Je viens de là, quoi. J'aurais pu traîner long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, mais si j'en avais un, j'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin, j'ai bien plus cher à faire. Bam da ba da bam. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, au juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, oh comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux, c'est mieux qu'un beau requiem. Et les dire, c'est important. Les dire avant, tant qu'il est temps. On veut toujours attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Et coulent nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passent les jours et puis les semaines, bam da ba da ba. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, au juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, oh comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux, c'est mieux qu'un grand chrysanthème. Et le dire, c'est important. Le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves. J'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève. Bam da ba da ba. Il faut le dire aux gens quand on les aime. Tant qu'il est temps.
j'aurais pu traîner le long de mes rêves. Les gens qu'on aime est une chanson, pour moi, importante, parce qu'il faut le dire aux gens quand on les aime. On a toujours cette pudeur, ce truc de se dire « mais non, genre, ça fait fleur bleue, non, je vais pas te prendre dans les bras. » Mais non, merde, quoi. À un moment, vous voyez, à force de pas se prendre dans les bras, il nous arrive un truc là et on n'y arrive même plus, même si on le désire très fort. Donc oui, il faut le dire aux gens quand on les aime. Il faut trouver les phrases, il faut trouver le temps. On a toujours le temps pour ça. N'hésitez pas, quoi. Quand vous avez envie de prendre quelqu'un dans vos bras, surtout n'oubliez pas de les resserrer, quoi. Je suis et j'ai été toujours très entouré par la gente féminine dans ma famille, autour de moi, dans mon travail, et je les trouve exceptionnelles, quoi. Elles embellissent nos vies, elles nous font du bien en permanence. C'est toujours des rayons de soleil. Et puis j'avais envie de faire une chanson sur ces elles qui nous rendent la vie belle. Voilà, une chanson sur et pour les femmes. Ces clichés des maudits d'hommes, les rengaines dessous, partout. Faut-il ajouter d'autres rimes à ces millions de poèmes entre nous? C'est du déjà vu, je sais, mille fois rebattu, d'accord. On n'en peut plus de ces histoires. Pourtant, chacun d'entre nous s'est perdu. Et passe les ans, le temps, le fut-il. Que nous reste-t-il indélébile? Elle, première et dernière, sœur amante mère, fidèle lumière. Du monde. Les hommes jouent à la peur, au pire, au pouvoir à mourir, au hasard à se haïr, ou se mentir au plaisir. Les hommes jouent. Les hommes se toisent, rêvent et boivent et s'autorisent. Petits soldats dérisoires, ils se défient puis se défilent. Les hommes jouent. Et après les tombées, les chants d'horreur, au milieu des cendres et des douleurs. Pour nourrir et guérir, caresser, sourire, et l'ombre éclaircir. Elle et d'autres ciels à venir, pour enfanter plutôt. Amen.
Je suis un bâtisseur, je suis un constructeur. Je fais des chansons, j'écoute la vie des gens, je l'enregistre, je la mets dans ma tête, je me fais mon petit shaker et puis après, ça sort comme ça. On peut se poser souvent la question, et d'ailleurs, vous me l'avez souvent posée, qu'est-ce qui se passe après un concert avec les musiciens? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Juste vous dire que c'est pas évident, en fait, cette vague d'amour et de sentiments qu'on prend en pleine gueule comme ça et en plein cœur. Alors, il se passe un phénomène un peu particulier, c'est qu'une genre de reconstruction juste après, mais qui se fait dans une phase très silencieuse. Et c'est une grande solitude, en fait, que l'on vit. Donc voilà, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe. On se réveille un beau matin. On fait comme si de rien. Sur des promesses, on s'éclabousse, on se déteste. Quand la nuit fout la frousse, moi j'ai tant besoin de toi, ma solitude, pour mieux aimer, pour mieux chanter. De solitude pour dire le fond de mes pensées. Quelques heures avec toi pour s'envoler. Tant de silence en moi. Et tu prends bien trop de place, ma solitude, comme une armée d'incertitudes, comme un volcan qui ne veut pas mourir de froid. On se fâche, on se croit plus fort. On se gâche encore et encore. C'est un espace vital pour moi, la scène. Je suis né dessus. Hein. Allez, vas-y, endors-toi, Patrick. Allez, Seigneur, si tu m'entends. J'avais 13 ans, je chantais à l'Opéra de Marseille déjà. Donc à 13 ans, avec l'école, tout ça, c'était un peu le bordel quand même, parce que j'étais tellement accroché à ça, j'avais tellement envie de chanter, pas spécialement pour être connu, hein, parce que ça, c'est venu plus tard, parce que par la force des choses, par définition, c'est peut-être un petit peu ce que j'ai cherché. Mais...
Pour moi, chanter, c'est une vraie thérapie. C'est un équilibre fondamental. Déjà, je pense que c'est quelque chose de très intérieur qu'on offre, qu'on déploie pour les gens. Chanter, pour moi, c'est de la transmission. C'est raconter des histoires aux gens ou leur raconter leurs histoires. Ça vaut mieux que n'importe quelle conversation. Mettre des mots sur une chanson, mettre des émotions et des sentiments, c'est la plus belle manière de raconter les choses. Je me souviens quand j'escaladais les épaules de mon père pour me retrouver en haut, là, comme ça, sur ses épaules musclées, et que je regardais la vie d'une autre manière, tout s'organiser sous un autre angle. Et en fait, ce souvenir d'enfance est resté et reste encore aujourd'hui profondément en moi. Alors j'ai décidé d'en faire une chanson sur les épaules de mon père. Sur les épaules de mon père, d'ici je vois mon château, mon village et ses lumières, la buée sur les carreaux. Sur les épaules de mon père, je me sens bien tout là-haut. C'est mon refuge, mon repère, comme une plume sur son dos. Et je vole au milieu des gens, je me déplace comme le vent. Si toi et moi on fait la paire, emmène-moi au bout de la terre. Na, 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 na. Son dos, et je vole au milieu des gens, je me déplace comme le vent. Si toi et moi on fait la paire, emmène-moi au bout de la terre. Sur les épaules de mon père, dès qu'il a courbé le dos, j'ai posé mes pieds à terre, je lui ai chanté ces mots. Viens, on danse au milieu des gens, fais-moi tout. D'ici, je vois mon château. Toutes les peines, ouais, toutes les peines, c'est... On est dans le début de la collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Donc le début où il m'emmène des chansons et où plus tard, on va en faire ensemble. Ouais, parce que moi, j'osais pas, quoi. Et... Je pense qu'il y a des gens qui vous donnent confiance, en tout cas qui vous appuient sur ce petit bouton-là qui dit « mais fais-toi confiance, quoi. Tu peux faire des jolies choses. » Et en fait, je l'ai écouté. J'ai surtout chanté, délecté ce qu'il m'a proposé comme chanson. Je parle de ça il y a presque 20 ans. Et puis derrière, on a fait des chansons ensemble, on a collaboré. Donc voilà, toutes les peines, c'est du lourd. Allez.
de l'eau. D'un geste sans y penser, sans sol à creuser. Du chaud, sans braise ni cheminée, sans arbre à couper. Du facile, du futile, sans malheur. Du viril, à chacun son lot de douleur. Mais toutes les peines, toutes les haines, d'où qu'elles viennent, à quoi servent-elles? Toutes les peines, les fêlures endormies. Oh, oh, oh. Oh, toutes les peines, toutes les mêmes, éternelles, à quoi riment-elles? Tout ce qui saigne dans un film agonie. Oh, oh, oh. Des jeux sur écran plat du virtuel et tes couleurs. Du mieux, de l'argent, du sucré Noël à toutes les heures. Champ de mine, on se débine jusqu'au jour où tout s'écroule, fragile à ton tour. Il y a des rendez-vous qui sont certainement plus importants que d'autres. Le vôtre est vraiment important. Le fait de se retrouver sur scène, que vous veniez voir des concerts, des spectacles vivants et des artistes, des musiciens, c'est ce qui est fondamental pour nous puisqu'on vient de là. Donc ce plaisir reste encore envisageable puisqu'on va certainement se sortir de tout ça. Je vous trouve fort, je vous trouve fier, je vous trouve droit, je vous trouve incroyable. Et à notre manière, on a essayé de vous offrir un peu de musique ce soir, d'en faire un peu pour vous, d'en faire aussi pour nous, parce que le plaisir est commun. Et donc cette main tendue là, cette culture, cette musique qui s'adresse à vous, qui s'adresse à tous les gens qui sont amoureux de ça. Nous, on est amoureux de la musique et on est surtout très très amoureux de vous. Alors on espère que les rendez-vous vont enfin se planifier et qu'on va pouvoir se voir. Je voulais vous remercier d'avoir passé ce moment avec nous. Merci de cet échange encore une fois. J'espère que vous avez sauté sur vos canapés, j'espère que vous avez sauté dans vos maisons. Je ne sais pas où vous étiez, ou je ne sais pas où vous êtes à ce moment-là, mais en tout cas, nous, on était là pour vous, ce soir. À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, au beau jour, qu'ils éclairent vos parcours. Bonne route et à demain. Que rien ne sépare jamais nos chemins. Bonne chance et prenez soin du monde autant que de vous. Au bonheur, au plaisir,
que le cynisme jamais ne vous abîme, à la musique et à nos rires, qu'ils sachent nous réunir, que vous appreniez d'hier que les traces de nos pères jamais ne s'effacent, que la santé vous garde et que des enfants vous chantent un jour à vous rendre sourd. À la vie, à l'amour, que ces moments-là restent en nous pour toujours. À l'amitié, aux beaux jours, qu'ils éclairent vos parcours. Votre jolie lumière, votre grâce. Soyez curieux et curieuses et ne cessez jamais d'apprendre, de voir, voir, écouter. Le cynisme jamais ne vous abîme, à la musique et à nos rires, qu'ils sachent nous réunir. Déjà, j'ai chanté, quoi. Ça fait longtemps que je chante pas. Bon, alors, oui, il y a eu sur des plateaux télé une chanson ou deux, en échange avec des duos ou pas. Mais chanter, rechanter comme ça, autant de chansons, ça fait longtemps que ça m'est plus arrivé. C'était un grand cadeau. C'est un grand cadeau que vous m'avez fait, que vous nous avez fait. Ça solidifie de chanter ça. Ça muscle la voix, mais ça remplit le cœur. Au synthé, au keyboard, au synthétiseur, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, allez-y les deux au fond de la salle. Vas-y. Voilà, c'est super. Et merci, c'est super. Donc c'est tous les techniciens, tout ça, messieurs, dames. Monsieur Karim Medjeber. Eh oui, une folie cet homme, une folie. Un bonbon, il est à croquer. À la guitare électrique, acoustique, le grand, l'immense, l'incroyable, l'imperturbable, Emmanuel Rodier. Oui. Ah ouais, ouais, il est magnifique. Et puis voilà, et puis le chef d'orchestre, l'arrangeur, le réalisateur, le grand Manitou, notre grand gourou. Celui qui nous amène encore plus loin, parce qu'il a le cerveau bourré d'imagination, mais il a surtout le cœur aussi grand que cette planète. Mesdames et messieurs, monsieur Patrick Amparsoumian. Merci à vous. Merci les garçons. On a pu faire un peu de musique, c'est cool. Oui.